bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Auriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un recueil de poèmes et de deux romans. Je vous montre ça tout de suite. Donc, ma première lecture, c'est un recueil de poèmes qui s'appelle Playtime et qui a été écrit par Andrew Macmillan. Ma seconde lecture, c'est le roman Tortue à l'infini par John Green. Et la troisième, c'est le roman Tenir debout dans la nuit de Eric Pessan. Donc, Playtime de Andrew Macmillan, pour ceux qui ont regardé mon book haul du mois de novembre, vous avez suivi ma story time, on va dire, ou enfin, c'est bref, c'est mon prof d'anglais qui me l'a conseillé. C'est des poèmes en anglais, j'ai oublié de préciser. Ils ont été traduits, je pense, je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'ils ont été traduits en français, mais je vous conseille vraiment de les lire en anglais, parce que la poésie traduite, pour moi, c'est une horreur. J'ai toujours détesté ça en primaire, quand on nous a appris des trucs d'anglais traduit en français, juste en mode les gars, faut arrêter au bout d'un moment. Pour moi, la poésie, ça se traduit pas, mais bon, chacun son délire. Alors, Playtime, en gros, c'est un recueil de poèmes qui revient sur l'enfance et l'adolescence de l'auteur, et particulièrement sur des questionnements autour de sa sexualité, donc de son homosexualité. Des poèmes donc sur sa première fois, sa première masturbation, son premier amour, ses premiers échanges par texto par exemple avec un jeune homme gay mais il voulait pas que ça se sache, etc. Et en gros, ce que j'ai vraiment adoré dans ces poèmes, c'est qu'ils sont écrits d'une forme très spéciale. Attendez, je vous montre le premier. En gros, les poèmes sont écrits sous cette forme, donc si on regarde un peu de loin, on dirait un petit peu un texte, mais en réalité pas du tout. Il faut savoir que ça se lit pas par ligne, en gros souvent c'est coupé au milieu de la ligne et en fait il faut aller à la ligne d'après. Au début je galérais un petit peu à comprendre comment le lire, mais bon, très vite j'ai compris et c'est devenu une super belle lecture. J'ai trouvé les poèmes vraiment bien écrits, je pense que j'ai bien fait de le lire sur ma liseuse, sinon je me serais un peu découragée. Parce que du coup là pour le coup, quand je comprenais pas un mot, vous savez, je le traduisais pour pouvoir vraiment comprendre ce que l'auteur disait. Parce que parfois il utilisait des mots un petit peu tatillons, enfin des mots un petit peu compliqués quoi, vous m'avez comprise. Et du coup j'ai vraiment aimé pouvoir traduire parce que bah, ça m'a aidé pour pouvoir le lire. J'ai trouvé que c'était vraiment des poèmes émouvants, c'était vraiment beau, enfin c'est compliqué à décrire en fait parce que des poèmes... Ça c'est ma page de carnet de lecture et pour moi ça résumait vraiment ça, c'est qu'en gros... Il aborde en fait tellement de choses et d'une façon très douce, presque comme s'il parlait mais comme s'il chantait en fait, je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas une recherche de rime, de pas, etc. C'est vraiment de la poésie moderne et j'ai adoré ça. Et je lui ai mis une note de 4 sur 5 même si pour moi c'était difficile à noter parce que c'est le premier recueil de poèmes que je lisais. Enfin j'en ai lu pour le lycée, on va dire que je les ai survolés. Mais j'avais jamais pris plaisir à lire des poèmes et du coup là c'était la première fois que ça me plaisait vraiment et je lui ai mis 4 sur 5 parce que pour moi il y avait quelques petits points négatifs mais franchement c'était hyper beau. Donc ensuite on va parler de Tenir debout dans la nuit de Eric Pessan. Tenir debout dans la nuit, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Lali et qui est un petit peu pauvre et en fait elle rêve d'aller à New York mais elle en a pas les moyens. Jusqu'au jour où son meilleur ami lui propose d'y aller avec lui parce qu'il doit partir avec sa mère là-bas, il lui dit... tu payes juste le billet d'avion et bah on est logé et tout, tout va bien, enfin voilà. Sauf que son meilleur ami va vouloir coucher avec elle, elle va refuser et il va la violenter, l'agresser sexuellement, etc. Et elle va réussir à s'enfuir, sauf qu'elle a rien avec elle. Elle a pas son téléphone, elle a rien, elle a pas d'argent, elle a pas de pull, elle a rien. Et en fait, elle se rend compte que... La mère de son amie va rentrer demain matin et elle doit passer la nuit dehors dans New York après ce qu'elle a vécu. Et c'est vraiment ça, tenir debout dans la nuit. Comment est-ce qu'elle peut passer une nuit après avoir vécu ça? Comment est-ce qu'elle peut survivre? Comment est-ce qu'elle peut en fait s'en sortir alors que ça semble si dur et une nuit entière sans rien connaître de la langue, du pays, de rien en fait, comment est-ce qu'elle peut y arriver? Et c'est vraiment sur ça, donc c'est un roman qui fait presque 200 pages mais qui se passe seulement en quelques heures au final. Ça parle de personnes qu'elle va rencontrer, de ce qu'elle va ressentir, de pas forcément beaucoup de comment ça va se passer après, vraiment de cette nuit là
Et j'ai trouvé que c'était beau, mais que pour moi, l'écriture, elle faisait un peu fausse. Pour moi, l'histoire était un peu... Je sais pas. J'ai trouvé qu'en fait, c'était comme si c'était quelqu'un qui n'en savait rien, qui l'avait écrit. J'ai pas eu l'impression que je ressentais vraiment ça, ou que les autres femmes ressentaient vraiment ça. J'ai eu l'impression que c'était quelqu'un un petit peu extérieur qui avait écrit ça, et bah c'est le cas, c'est Éric Pessan qui a écrit ça, donc voilà. C'était pas mal écrit, mais pour moi, ça sonnait un peu fou en fait. Et j'avais beau essayer de me mettre dans les champs et de me dire, oui, non, mais c'est vrai, c'est vraiment arrivé. J'arrivais pas à me dire, ouais, c'est une vraie histoire. En fait, j'arrivais pas à y croire. Et pour moi, quand j'arrive pas à croire un livre, bah, le pari est un peu perdu. Ça avait beau être super bien écrit, ça avait beau être émouvant. Pour moi, ça ne paraissait pas vrai, et à partir de là, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Je l'ai quand même lu très vite, mais sans prendre plus de plaisir que ça, parce que j'arrêtais pas en fait de penser, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je sais pas si c'est moi qui ai trop réfléchi peut-être en lisant ce livre, mais c'est vraiment la sensation que j'en ai eue, et du coup, je lui ai mis une note de 3 sur 5. C'était pas... Je sais pas, pour moi, voilà, c'était exagéré en fait. C'était exagéré, pas sa réaction, pas la situation qui peut totalement arriver, mais autour en fait. C'était improbable, c'était tout ça en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas réussi à accrocher. Certaines personnes vous diront peut-être, c'est exactement ce que j'ai vécu et je comprends que ce soit possible. Mais pendant que je le lisais, ça me semblait pas être la réalité. Je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment ce que je ressentais. Et du coup, forcément, je suis pas énormément rentrée dans l'histoire. Le troisième roman, c'est Tortue à l'infini de John Green. En gros, j'ai un peu galéré avant de le lire parce que c'est le seul John Green que j'avais pas lu. Et je me disais, ok, une fois que je l'ai lu, c'est fini. J'aurai plus jamais le plaisir de découvrir un John Green, à moins qu'il en sorte d'autres. Mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il est resté quand même assez longtemps dans ma pile à lire. J'avais marqué dans mon carnet de lecture j'allais le lire. Genre, j'avais commencé la page et je me suis dit non, je peux pas le lire. Genre, vraiment, j'étais pas dans le mood. Et finalement, beaucoup après, je l'ai finalement lu et waouh, John Green a encore une fois emporté mon âme très loin de moi. Donc, déjà, petit résumé. Tortue à l'infini, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Azai, qui a 16 ans. Et qui est victime, non, qui souffre d'obsession, de pensées intrusives, etc. Et sa meilleure amie Daisy lui dit qu'en gros, le milliardaire qui a disparu, Russell Pickett, est recherché et que s'il est retrouvé, la personne qui le retrouve gagnera 100 000 dollars. Et Asa, elle galère un petit peu avec l'argent, enfin, c'est pas ouf quoi, elle doit payer ses frais d'études bientôt et elle commence à stresser. Et surtout, Daisy veut vraiment qu'elle gagne la récompense pour pouvoir la partager. Et Asa va alors renouer avec le fils du milliardaire qu'elle avait connu pendant son enfance qui s'appelle Davis. Donc, en gros, il y a Daisy qui a vraiment envie de trouver le milliardaire. Il y a Asa qui a pas vraiment envie parce qu'en fait, elle est vraiment bloquée dans une spirale d'obsession, etc. Et il y a Davis qui est pas forcément au courant qu'elle recherche son père. Et ça fait un trio un peu improbable. Dans le résumé, il y a écrit qu'ils vont enquêter sur la recherche de ce milliardaire. En réalité, je vous préviens, si vous avez envie de lire ce livre, ce n'est pas du tout le cas. Pour moi, ce n'est pas un roman d'enquête du tout. Quand j'en ai parlé sur Instagram que j'allais lire, il y a Quentin Phoenix Book Addict qui m'a prévenu qu'il avait été déçu parce que c'était pas du tout un roman d'enquête. Alors c'est vrai que du coup je m'attendais pas à une enquête donc j'ai pas été déçu, mais c'est vrai que pour moi le résumé est vraiment mensonger, c'est pas une enquête. Il parle très peu finalement du milliardaire, beaucoup plus de la relation entre Asa et Davis, beaucoup plus des obsessions d'Asa et très peu du reste. Ce roman il m'a beaucoup touchée parce qu'en fait je me suis beaucoup reconnue dans le personnage d'Asa parce qu'en fait j'ai des pensées intrusives, donc les pensées intrusives ça dépend des personnes. Elle, c'est par exemple, elle se voit mourir si elle ne se lave pas suffisamment les mains, si elle ne se désinfecte pas suffisamment son corps, elle a peur de mourir à cause de bactéries qui rentreraient en elle. Moi c'est pas du tout ça, c'est que tout simplement en fait je vois la mort un petit peu partout où je regarde, dans le sens où si je traverse la route je vais me dire wow, la voiture elle va arriver, elle va me renverser.
si je descends les escaliers, je vais me voir tomber et m'ouvrir le crâne. Enfin voilà, c'est le principe des pensées intrusives, ça n'a... C'est d'aucun danger en quelque sorte, dans le sens où des fois, des personnes ont des pensées intrusives, genre, elles se voient cogner la personne en face d'elles, mais il n'y a aucun risque que ça n'arrive, donc faut pas stigmatiser les personnes qui ont des pensées intrusives. Mais c'est assez chiant à vivre au quotidien, et Asa, elle a encore du mal à le vivre, et elle a vraiment une obsession autour du fait qu'elle pourrait attraper une maladie et en mourir, du fait qu'elle pourrait là s'ouvrir la main et en mourir parce qu'une bactérie va rentrer. C'est vraiment quelque chose qui va devenir de plus en plus fort en fait au cours du roman. C'est pas comme dans les autres romans où la personne va aller de mieux en mieux. Asa va vraiment de plus en plus mal, et dans ce roman on va vraiment traverser cette épreuve avec elle. Et j'ai trouvé ça très beau, très fort. Forcément, je me suis beaucoup reconnue dans le personnage, donc je pense que ça a rendu ma lecture 10 fois meilleure. Et j'ai vraiment, en fait, il y a écrit, j'ai vu après que John Green avait souffert de ce genre de trouble obsessionnel depuis très longtemps, et que je me suis dit que ça se voyait en fait, que c'était quelqu'un qui s'y connaissait quand il l'avait écrit. Le personnage d'Asa peut paraître un petit peu froid. En fait, on s'y attache pas forcément, donc ça peut rendre encore la lecture compliquée. Mais en fait, si on va au-delà de la froideur du personnage, on découvre pourquoi elle est comme ça, et c'est vraiment intéressant. Et en fait, le roman est vraiment centré sur elle, et c'est parce que en fait elle-même est très centrée sur elle, parce qu'elle est un peu elle voit un peu pas le monde autour d'elle, parce que elle a vraiment l'impression que ce qui lui arrive est très grave, et du coup le monde autour d'elle, elle l'oublie un peu. Et cette histoire de milliardaire, c'est un petit peu ce qui va lui sortir la tête quand elle va se rendre compte qu'en fait il y a un peu un monde autour d'elle. Et j'ai vraiment adoré ce roman, je lui ai mis 5 sur 5. C'était pas un coup de cœur, mais presque. Franchement, il manquait très peu de choses. J'ai juste trouvé que voilà, il n'y avait pas forcément tout ce qu'on voulait. Il y avait certaines choses qui étaient un petit peu attendues, certaines choses un peu improbables aussi. Mais le reste était vraiment bien. J'ai vraiment aimé ça, et je trouve que c'était une très belle lecture. Ça doit être dans mon top 20 des lectures de 2021. Donc vraiment, ouais, une très belle lecture, et je suis très heureuse d'avoir lu ce livre. Je pense qu'il ne plaira pas à tout le monde, mais je pense qu'il faut essayer, parce que moi c'est vrai que de prime abord, je pensais pas du tout que ce serait un John Green qui me plairait plus que ça, mais finalement ça a été le cas, donc je vous le conseille vraiment. Donc on avait une très bonne lecture, une lecture assez moyenne et un presque coup de cœur, on va dire, et donc 3 lectures très différentes, mais qui je trouve se complètent un petit peu, parce qu'elles abordent un petit peu tout le sujet de l'adolescence, j'ai envie de dire. Donc on va dire que c'était la thématique adolescence. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à laisser un petit commentaire, parlez-moi de vos lectures, de ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et voilà.